Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du pas à pas. C'est un tableau mix média avec des pochoirs et des encres. Mais sur le thème du Bouddha et orchidée, voilà, un peu zen. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'avais envie de le faire parce que j'avais voulu en faire un avec Corinne. Puis j'ai fait ça un peu... n'importe comment, du coup je voulais vraiment, j'étais restée sur cette idée là du coup voilà ce qu'on a fait dans la première partie. Et donc là du coup on va venir un peu travailler avec les cires avant de continuer et voir si je les colle les moulages. Donc ça, les moulages on les a fait dans la première partie au tout début. Voilà, je viens de les démouler et ça peut faire un super effet aussi, voilà. En plus, mais on va d'abord travailler le fond, voir ce que ça donne, et après on avisera. Vous savez que moi, rien n'est jamais prévu avant, donc on va faire ça. Je vais rester fidèle à moi-même, quoi. Je vais le faire avec vous, et puis voilà. Donc, je remets mes gants, du coup, puisque j'en ai partout après et que ça part pas. Avant, je vais venir voir je peux adoucir un peu ces couleurs en mettant de la peinture. Alors moi j'ai choisi des primas, donc c'est le blanc nacré, perle blanche, c'est des métalliques, et la vintage rose. Voilà, donc avec ces deux je vais venir voir si on peut adoucir un peu tout ça. Donc voilà, elle est blanche celle-là, elle est très très belle celle-là, moi je l'adore. Donc on va venir voir un petit peu si on peut venir adoucir un peu tout ça, parce que j'avais quand même envie d'un effet un peu clair, pastel, pas aussi pétard. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, juste faire un effet un peu plus clair. Adoucir un peu, quoi. Par-ci, par-là. Mais après, de toute façon, on va venir le travailler avec des cires. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Mais j'avais envie de cet effet un peu brillant en fond. Ne me demandez pas pourquoi. Des fois, j'ai des trucs comme ça et je sais pas pourquoi. J'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Il faut que je le fasse. Donc voilà, on va venir adoucir un peu tout ça. Peut-être que j'aurais dû prendre un plus grand pinceau. Parce qu'on voit quand même du coup le gris et le rose, mais c'est plus doux. Alors que j'en recommande, je sais pas si Nino elle en a rentré. J'ai passé une commande en plus, même si elle peut pas me l'envoyer puisque la poste ne marche pas, enfin les colis, elle peut pas les envoyer. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, que ce soit chez Nino ou enfin Horizon Créatif, chez Mille et une création, ils ne peuvent pas envoyer de colis suite à au confinement. Donc leurs postes sont fermés. Donc vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de retard sur les envois, c'est normal. Je le précise parce que on commence à m'envoyer des messages comme quoi c'est la commande n'est pas partie, on appelle à la box pour mener une création, tout ça, mais c'est normal. Ils ne peuvent pas les envoyer. Les mondiales relais sont fermés et les postes aussi. Donc, mais par contre, vous pouvez continuer à commander. Dès que c'est rétabli, ils pourront vous les envoyer. Moi, je sais que Nina, elle rentrait des nouveautés, donc
Mais il y a une création aussi, il me semble que j'ai vu, mais je suis pas trop allée non plus. J'ai pas eu trop le temps ces derniers temps du coup. Non, voilà, en gros, je vais arrêter là. Là, du coup, ça me va un peu mieux quand même. C'est un peu plus clair. J'avais vraiment du mal avec ce. C'était un peu trop pétard. Ouais, là, ça le fait mieux. Un petit peu ici encore. Parce que je recherchais un effet quand même assez. Zen, pas pétard. Mais bien entendu, après vous, si vous le refaites, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc, un petit peu ici. Faut que j'aille voir oui, si elle en a, non, si elle en a rentré un peu de la blanche. Il semble que l'autre jour, il n'y en avait pas. Donc, je sais pas. Donc voilà. Juste un chouïa sur les bords, manière. Pour adoucir aussi. Même si sûrement qu'après, je vais venir mettre des cires. Hein. Vous voyez, je m'applique pas forcément non plus. Hein. Je veux pas un truc nickel. Puisqu'on reste quand même dans le mix média. Hein. Donc, qui dit mix média, pour moi c'est pas un truc nickel, donc c'est comme ça vient, hein. Après ça c'est mon interprétation à moi, hein, après du mix média, chacun le voit à sa façon. Donc voilà, hop. Du coup je sais pas si je vais mettre la rose. Non, je pense que la rose on verra après pour cela. Non, je ne vais pas la mettre pour le moment. Là, je vais sécher un peu. Donc, vous voyez, du coup, ça fait pas le même effet. Là, ça me va un peu mieux quand même. C'est quand même pas pareil. Enfin, pour moi, en tout cas. Voilà. Ensuite, ben là, je vais tester pour avec vous la rose que j'ai eue chez Keepers. Donc, c'est la magenta. Donc, elle est rose. Donc, voilà comment ça se présente. Donc, ça, il faut le laisser. Et là, voilà comment ça se présente. Du coup, j'aurais peut-être dû la tester. Ouais. Je vais venir un petit peu frotter par-ci par-là, mais alors légèrement. Donc là, vous voyez, j'en prends vraiment pas beaucoup, hein, parce que... Donc, est-ce que ça, en faisant comme ça, ça va mieux. Vous savez que moi j'aime beaucoup travailler la cire avec le pinceau pour un peu mieux l'étaler. Mais ça c'est moi, après chacun. Donc je vais essayer comme ça de venir travailler mais pas tout dans les mêmes couleurs en fait. Je veux pas que ce soit tout rose ou tout gris ou tout, voilà, je veux vraiment qu'on voie des effets comment dire, comme si on avait un peu travaillé mais ouais, c'est ce qu'on fait en fait. Donc on va en mettre par-ci par-là.
Donc on y va. Là, je vais venir avec le doigt en mettre un petit peu par-ci, par-là. Notamment sur les bords. Elle est pas mal, cette cire. J'aime beaucoup, en fait. J'avais un peu peur, puisque vous savez que j'aime beaucoup les primas et que j'avais un peu peur du rendu de ces cires. Donc là, je viens travailler un peu les bords aussi, pour donner des effets. Mais bon, elle est un peu pétard quand même. J'aurais dû prendre la claire, mais bon, la claire, je la prendrai une autre fois. Je peux pas tout avoir aussi d'un coup, donc parce qu'à la base, c'était pas pour faire ça, c'était pour faire les kits pour le mix média. Donc du coup, c'était vraiment pas pour faire ça à la base. Donc voilà quoi. Hop. Donc voilà. Là, on va quand même venir en mettre un petit peu par-ci, par-là, juste pour donner un peu de couleur au Bouddha. Mais après, on va venir l'estomper. Pas de panique. Donc voilà. Donc ça. Ça. Je vais le fermer. Du coup, je vais venir prendre la titanium, platinium, ils appellent ça. C'est un blanc en fait. Et du coup, je vais venir éclaircir un petit peu par là. Donc voilà, pareil. Donc là, je la prends et du coup, je viens éclaircir un petit peu. Voyez, de suite ça éclaircit. Je sais vraiment pas si vous y voyez bien puisque j'ai un très 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 mauvais retour. Donc là c'est pareil, je viens travailler par-ci par-là avec le blanc. Je vais peut-être prendre le pinceau aussi. Parce que je trouve que c'est mieux quand même pour bien étaler la cire des fois. C'est mieux qu'avec le doigt. Ou comme ça. Elle est très bien aussi. Franchement, elle est très... ouais, je suis pas déçue. Donc, hop. Donc là, je prends avec le doigt pour venir retravailler sur les bords. Après, on va travailler avec un peu d'argenté aussi pour relever tout ça. Donc je vous rappelle que les couleurs et tout, c'est vraiment après comme vous avez envie. Hein. Moi je le fais par rapport à moi et ce que j'aime. Et comment je le vois. Vous, c'est pareil. Si vous voulez le faire bleu, faites-le bleu. Hein, moi. Donc voilà.
voile. Je sais pas si vous voyez du coup les fessiers. Pourtant il y a la lumière et tout, il fait beau, mais moi j'ai un très très mauvais retour. Donc voilà ce que ça donne. Et là on va venir travailler un petit peu. Alors par contre j'ai pas l'argenté pour celui-là. Donc pour la l'Inta Gold, pardon, de chez Keepers. Donc je vais faire avec les Prima. Donc j'ai la Silver et la Brush and Acryl. Mais celle-là va être trop foncée, je pense. Voyons. Un petit peu foncée quand même. Mais je peux venir peut-être. Ce que je vais faire. Non, ce que je vais faire avec celle-là. C'est que je vais venir reprendre mon pochoir. On va essayer de faire comme ça. Et on va venir juste passer avec la cire par-dessus. On va essayer. Juste pour relever vraiment le boudin, juste le boudin. Je ne sais pas si c'est bien, ainsi je pourrais récupérer mon pochoir après. Mais en attendant. Comme ça. Parce qu'en fait, les traits de mon boudin, moi je voudrais qu'ils ressortent gris. Ne me demande pas pourquoi, je sais pas, c'est comme ça, je le vois comme ça, et du coup, il faut que j'essaye qu'il soit comme j'ai décidé. Je sais, je suis bizarre des fois, mais... J'avais vraiment envie que lui ressorte, vous voyez. Et même là, on va l'exciter un peu plus. Vous voyez, je fais doucement. Par contre, j'essaye que mon pochoir reste bien en place quand même. Et donc là, je vais arrêter là. Vous voyez? Et là, il ressort pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, je vais venir un petit peu en mettre vers le centre. Vous voyez là, j'ai déjà... Vous savez ce que j'ai déjà sur mon pinceau. Vous voyez que, et là, je viens juste par-ci, par-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Et du coup, ben, je pense que je vais faire un peu pareil pour les autres. Donc, alors là, je vais venir essayer de me reposer là où j'étais. Là. Et là, pareil, mais alors pas partout, hein. C'est par-ci, par-là. Juste pour venir relever un peu là. Faire un mélange de couleurs. Là. C'était dans quel sens? Dans l'autre sens. Et oui, parce que je vous rappelle que j'ai pris le pochoir dans les deux sens. Il me semble, non, c'est pas ça. C'est ça pourtant. Voilà, là. Et là, pareil. Par-ci, par-là.
sais pas si vous voyez l'effet que ça fait. Voilà. Et donc là, ben, je vais prendre l'autre du coup l'orchidée et je vais faire pareil. Je vais essayer de regarder dans le sens que je l'avais fait. Hop. Et pareil. Donc on les suit. Et on va venir pareil un petit peu par-ci par-là. Là. Et donc là c'était celle-là, donc dans l'autre sens sûrement. Voilà, là, un petit peu ici. Là, c'est une autre façon aussi de se servir des patines et des pochoirs. Donc, voilà ce que ça donne. En fait, je suis en train de me dire que c'est peut-être pas la peine de faire de coller les autres. Hein. Donc là, je le frotte bien. Et là, je vais venir prendre donc le Holder Silver. C'est un gris argenté, en fait. C'est plus clair. Voilà. Et là, pareil. On va venir par-ci, par-là, du coup. Repasser un petit peu. Pour éclaircir un peu. Par-ci, par-là. Voilà, je mets aussi ici. Donc, c'est ce que je vous dis. Hein, c'est vraiment comme on le sent. Vous voyez, je réfléchis pas, en fait. Je me laisse guider parce que comment je le sens. Et en fait, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Vraiment. Oups. Et là, pareil, sur les bords, ben, je vais venir par-ci, par-là, mettre un peu d'argenté pour rappeler. Excusez-moi, c'est mon mari qui vient m'embêter. Il fallait bien qu'il revienne avec le tracteur. Hein. Donc voilà, moi je frotte un peu par-ci, par-là. J'aime vraiment beaucoup... Bon, après j'aime beaucoup les bouddhas, donc c'est particulier. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez. Tout. Donc je vérifie que j'ai bien fait tous les bords. Donc ouais, c'est bon. Hop. Et là, du coup, je sais vraiment pas si on va venir. Peut-être qu'on pourrait essayer la nouvelle cire que j'ai eue. Alors, attendez. Que j'ai acheté chez Ninon. Celle-là, la Voyage Robe. Alors, c'est une opale magique. Donc, je ne suis pas sûre que ça fasse quelque chose. Mais bon, on va tester ensemble. On verra bien ce que ça donne. Donc, hop. Et là, donc on va tester ça. Donc voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je vais venir tester. J'en ai mis partout. Voilà, ça commence bien. Hop. Par-ci, par-là. Vous voyez sur le noir comment elle est. Et là, vous voyez que quand je l'en passe, en fait, ça fait clair. Ça s'appelle, c'est les opales magiques. C'est comme les peintures, en fait. J'aime beaucoup.
Et du coup, on continue à éclaircir un petit peu. J'enlève un peu parce que je n'avais même pas trop mis. Mais j'aime beaucoup. Que dire que j'aime beaucoup. Bon voilà. Par contre, je vais arrêter là parce qu'il y en a assez. Donc voilà. Là, du coup, j'arrive pas à me décider si je mets des moulages ou pas. Franchement. Je pense que c'est même plus la peine parce que ça suffit en fait. Ou alors peut-être les tout petits, juste comme ça. Celle-là ici peut-être. Ouais, pour moi, il y en aurait assez. Hein. Non, je vais laisser comme ça. Je vais arrêter là. Pour moi, ça suffit. Mais bien entendu, si vous voulez, vous pouvez mettre des moulages. Moi, voilà. Pour moi, ça suffit. Parce que je trouve que c'est assez chargé. Mais c'est chargé, mais en fond. Donc, ça va. C'est pas non plus trop. Enfin, moi, je trouve. Après, bien sûr, chacun fait comme il le sent. Donc, voilà. Non, mais écoutez, voilà, c'est fini. Si jamais, peut-être que je vous ferai une présentation, si je change quelque chose ou pas, on verra. En attendant, moi, je suis assez contente quand même du résultat. Je pensais pas qu'il serait aussi facile de le faire comme ça. Je m'attendais à devoir mettre des moulages, que ça fasse un peu fade. Mais là, je trouve pas. Voilà. Après, c'est peut-être passé du Bouddha aussi. Ce serait autre chose. Ce serait peut-être plus... Pas pareil. Mais là, en Bouddha, moi, je trouve que ça va bien. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Que vous avez trouvé que c'est facile à faire. Que vous le referez chez vous. Bien entendu, si vous voulez des produits style le pochoir, comme ils viennent chez Keepers ou l'Orchidée ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez, je peux vous faire le petit kit aussi qui va faire des produits Keepers que je me suis servi. Pour les cires Prima, vous les trouvez chez Horizon Créatif. Et puis voilà. Les encres, ben, le plus gros vient de chez Mille et Une Créations. Tout ce qui est spray, vous les trouvez aussi sur Horizon Créatif. Donc voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.